bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de notre incroyable aventure sur Heavy Rain. On avait appris pas mal de choses durant l'épisode 6, comme le fait que pour connaître l'adresse où était mon fils, je devais passer par exemple 5 épreuves avec Ethan. On avait aussi fait un petit peu de babysitting avec Scott. Bref, on est parti pour la suite de notre aventure. Mercredi 11h03, 49,22 mm. Nous voici donc dans l'adresse stipulée dans le premier origami, un origami en forme d'ours donc, et c'est donc notre première épreuve. Tiens, on va voir un petit peu ce qui se passe. On a donc un garagiste qui donne des sacrés coups de clé si je puis me permettre. Et ça on adore, mais on va lui parler, hein. Il n'y a rien à faire de toute façon apparemment. Excusez-moi. Sean semblait à bout de force dans ce puits. Mais il est vivant. Je ferai tout pour le sortir de là. C'est bien, mon grand. Il doit bien y avoir quelqu'un dans ce garage. Oui, il est en face de moi. Le ticket de parking que j'ai trouvé dans l'origami conduit dans ce garage. Vous plaît? Ah, désolé, vous avez pas vu. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ok. Viens chercher cette... ma voiture. Ok, bah dites donc, vous êtes plutôt du genre patient, vous. Ça fait bien 2 ans que cette bagnole est là. On l'a fait tourner tous les mois. On a vérifié les pneus et la batterie, comme vous aviez demandé. Voilà, elle est au 3e sous-sol. Merci. L'ascenseur de service est haut. Allez, bonne journée, monsieur. 2 ans que le tueur en série a prévu de capturer ce gamin. Ou enfin, avec un gamin en tout cas. Sachant que Jason est mort il y a 2 ans, c'est quand même très bizarre. Bon, on y va les gars. Ah, apparemment je sais pas appuyer sur le bouton. Aucune pensée pour le moment. Très bien. Qu'est-ce que ça peut être? Peut-être une des voitures utilisées pour kidnapper un des gamins. D'une ancienne victime, c'est possible. Oh les caméras, c'est terrible. Hein. Oh j'en suis désolé les gars. Il y a des dizaines de voitures. Laquelle est celle que je cherche? Hop, voilà. Bien joué l'artiste. Je sais exactement c'est laquelle maintenant. Elle est belle. Ah oui, elle est très très belle. Attends. Oui, c'est bien celle que je pensais. Elle est très 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 belle. Oui, d'accord, ok, c'est une voiture qui a été utilisée pour une ancienne victime. Peut-être qu'on veut me faire porter le chapeau. Ah, l'adresse du GPS, non? Ok, c'est bien ce que je pensais. Heureusement que le garage a pas pété le GPS, sinon le plan aurait échoué. Ok. On fouille tout, hein. Les gens Coptic Dream, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent. Bon, il y avait que ça. Votre destination est à 6 km d'ici. Sortez du parking et prenez la première à droite. Ok, on y va. Oh, c'est une belle voiture, ça. Oh, le tueur a les moyens, les gars. Oh, le tueur a les moyens. Bon, c'est toujours pas où ça nous emmène. Quelle est cette épreuve?
J'ai remarqué des petits problèmes de mix un petit peu, parce que là, le son était beaucoup trop fort avec la musique par rapport aux voix. C'est arrivé au premier épisode, j'ai remarqué ça, et là aussi. Ah, ça nous emmène à la scène, il me semble. Vous savez où il y avait l'autoroute ? Vous êtes arrivé à destination. C'est par là, hein ? Êtes-vous prêt à faire preuve de courage pour sauver votre fils ? What ? Prenez l'autoroute à contresens pendant 8 km. Vous échouerez si la distance n'est pas parcourue d'ici 5 minutes. Ok, espoir. Si je réussis, j'obtiendrai des lettres de l'adresse où se trouve Sean. C'est ma seule piste. Je peux pas la laisser passer. Les gars, plus rien à perdre. On y va. Je peux le faire. Pour sauver mon fils, je ferai n'importe quoi. Allez, go. J'ai aucun doute, putain. Allez, on je y va. Faire. Pas de questions. Pour Sean. J'ai pas le choix. Allez, go. Oh, putain. Ok. Je m'en souviens par flash, je vous dis. Là, je crois qu'il va y avoir des esquives de voiture, ça me mère à faire. Sinon, c'est terminé, hein. Sinon, c'est terminé pour nous. Allez. Ok. Oh, les bâtards. Oh, les bâtards de ouf. Je peux y arriver, allez. Waouh, je prends ma... Je prends ma part, hein. Ok. 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 Oh la vache. Oh les enfoirés. C'est un délire. Dégagez. Ok. Allez, allez. Ok. Aïe. C'est rien, c'est rien. C'est bon, aucun souci. Mais je l'ai fait. Merde. Crotte alors! Oh, lui il a fait prendre sa part. Oh! Je suis le boss. Je suis encore le boss. Je suis encore le boss! Oh, c'est compliqué. Les mouvements de manette, c'est tellement imprévisible. Vous allez dégager, oui. Dégager. Ok. Pas mal. Oh putain, non les gars! Fuck! Allez, 1 km les gars. Allez, allez, fais pas le con putain. Ok, oh j'ai pas vu le 3! Putain, c'est tellement plus hard que les autres jeux! Ah, c'est pas ma faute, ça. J'ai rien. Merde! Caca! Merde! Non. Les mouvements de manette sont détectés une fois sur deux, mon Jésus! Mais... Oh, allez! Oh là là! Mais c'est l'enfer, mon Jésus! Faites un effort! Objectif atteint. Veuillez appuyer. Dans la boîte à gants. La clé se trouve. Ok. Ok. Allez, 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 allez. Voilà. C'est horrible, hein. Ça a détecté une fois sur deux. J'ai cru que j'avais foiré, hein, à cause de cette connerie. Hein. Ah, c'était incroyable, hein. Ouais, bah, toujours plus, hein, les gars. Hein. Mais bon, hein. Incroyable! Je suis à deux doigts de tout. Je bouille! Je suis à deux doigts de bouillir! Mais vraiment là sur le coup par contre. Bon les gars, les gars. Ah ouais, mais. Ces combinaisons du démon. C'est démoniaque les gars ce jeu. Allez! 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 C'est bon. Putain, on a eu tellement chaud. Objectif atteint, les gars. Ça va, ça va. Oh la vache, le délire!
Heureusement qu'on a réussi, hein. Putain. Non mais c'est incroyable, pire scène du monde. Leur manette à la con là. Mais attendez, il y a une incohérence là, non? Il y a une incohérence. Si la carte mémoire était dans la boîte à gants, c'est-à-dire que quelqu'un est venu dans la voiture, ils mettent la carte mémoire. Il y a quelques heures. Soit c'est une incohérence, enfin les gars, j'y vois quelque chose de mystique là. Oh, on essaye de nous arnaquer, s'il vous plaît. Hein. Ça fait 2 ans que personne n'est venu prendre la voiture. Donc le mec, il a réussi à s'incruster, mettre le truc dans la boîte à gants. C'est bizarre. Bon, bonne chose de faite. Incroyable, c'était compliqué cette histoire, hein. C'était très compliqué. Hein. On a eu chaud. Conducteur hors pair. Ouais, vite fait les gars, hein, quand même. Hein. Vite fait. Hein. Je me suis fait arnaquer 2-3 fois, hein. On voit pas ce mytho. Mercredi 15h15, 50,95 mm. Allez, on y va. Et là, dans Heavy Rain, c'est clair que tu dois faire quasi toutes les actions. Tu te grattes le cul, tu dois faire 4 tours de joystick. Là, je vous l'ai dit, hein, y a beaucoup plus d'actions à faire. Parfois un peu plus compliqué aussi. Heureusement qu'on peut se permettre 2-3 loupés. Ok. Qu'est-ce qu'on fout dans... Mais je crois que c'est dans le même motel qu'il y a... Ethan, il me semble, non? En tout cas, ça y ressemble... Bon, après, c'est un motel américain, les gars. Hey, salut ma jolie. Qu'est-ce que je peux faire? Oh là là, ce qui s'est mis celui-ci. Je voudrais une chambre. Tout ce que vous voudrez, poupée. Emplissez le registre. Faites mon tabré celui-là. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pris de la coque ou quoi là? T'as quoi aux dents? Respire, frère. Addison Page, 27 ans. T'as mal à mâchoire. Célibataire. Et vous allez rester longtemps parmi nous, mademoiselle Page? Je sais pas encore. Chambre 201. C'est l'escalier à droite dans la cour, au dernier étage. Merci. Tout le plaisir a été pour moi. J'en doute pas. Ok. Oh là là, femme fatale. J'espère que ce débile de réceptionniste n'a pas le temps de décliner ma chambre. Va, calmement. Rien d'y penser, j'ai des sueurs froides. Chambre 201. Escalier de droite, dernier étage. Allez, on est parti. Pourquoi je vais dans un motel, moi? Mais qui je suis? Qu'est-ce que je fous là, moi, d'ailleurs? J'aimerais le savoir, là. J'avais un putain d'appart. Je fais des cauchemars de mort. Ah, incroyable! On se croise? C'est beau ça! Il y a quelqu'un là-bas. Est-ce que. Monsieur? Est-ce que ça va? C'est vrai que j'ai pris ma part. Je vais appeler une ambulance. Pas d'ambulance. Vous êtes gravement blessé, il vous faut un médecin. S'il vous plaît, aidez-moi juste à retourner dans ma chambre. C'est la 207. Allez, on y va. Ouais, ok. Donc je disais, allez, on y va. J'ai pris ma part, hein, clairement. Hop, 205. Vous avez la clé. Ça me plaît, bébé, ouais.
Accompagne-moi dans le lit, vas-y. Déshabille-moi, j'ai froid. Vous êtes dans un sale état, vous devriez voir un médecin. Je dois avoir une ou deux côtes cassées. On n'en meurt pas. Mais ça fait un mal de chien. Ouais, enfin, t'as des côtes qui se baladent dans ton... C'est, tu vois, c'est compliqué, quoi. Vous saignez à la tête, ça a l'air profond. Ok. On va aller récupérer des soins. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre à celui-ci ? Antidouleur paracomol, administré en cas de forte douleur, ne pas dépasser un cachet par 24 heures. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour celui-ci ? Antibiotique Nécophrène 100, administré en cas de risque d'infection. Non. Qu'est-ce qu'on va lui mettre à celui-ci ? Antifièvre Péraphénol, administré en cas de forte fièvre uniquement. Non plus. Ouais, je crois que c'est le paracomol, là. Sa plaie a besoin d'être désinfectée. Allez hop, je crois que c'est ça. Je vais désinfecter votre plaie. Il est possible que ça pique un peu. Allez, on y va doucement. On va pas le brusquer. Il a déjà pris cher dans toute sa vie, le pauvre. Voilà. Ça y est, beau voilà. Gosse. Au moins, ça ne s'infectera pas. Merci. Ça fera 10 balles. Ok, on est pas mal là, en vrai. Antidouleur paracomol, administré en cas de forte douleur, ne pas dépasser un cachet par 24 heures. Je vais l'aider, je poserai des questions plus tard. Tiens, vas-y, hein, régale-toi, frère. Tenez, prenez je ça. Je donne tout ce qu'il y a. Hein. Ça devrait vous servir. Un antidouleur, ça va vous soulager. Sur la boîte, ils disent d'en prendre un par 24 heures. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de forcer la dose. Bah, abuse pas là, ça fait trop. Je n'ai pas le temps d'attendre. Si j'étais vous, j'éviterais de bouger pendant quelques jours. Je voudrais prendre une douche. Ok, je vais vous aider. Bon, allez, miskine. C'est Ethan, c'est le sang de la veine du sang, la veine du chibre. Je reste ici en attendant que vous ressortiez. Prévenez-moi si vous vous sentez mal. Oh bah dis donc, celle-là. Vous devriez me parler. Comme ça, je saurai si vous tombez dans les pommes. C'est quoi, votre nom ? Madison. Logez aussi dans le motel ? Non. J'habite en ville. On va peut-être se servir. Je souffre d'insomnie chronique. Je n'arrive à dormir que dans les hôtels. Ne me demandez pas pourquoi. Alors quand je suis trop épuisée, je viens passer une nuit ici. Et vous ? Je suis juste de passage dans la région. Incroyable. Et à part soigner les inconnus, Madison, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je vous espionne. Je suis photographe. Je photographie des intérieurs design pour des magazines tendance. Et vous ? Je suis architecte. Ok, on peut plus regarder. Eh, on sait jamais. Ouais, je suis comme chez moi, hein. Bah les couilles, hein. Heureusement que j'ai mis sous le lit en vrai. Hein. Sinon, celle-ci, dis donc. Hein. Merci d'être resté. Je crois que ça va aller maintenant. Bon. Ok, je vais y aller. Oh, au fait.
Vous ne m'avez pas dit votre nom. Ethan. Soyez prudent, Ethan. Allez, on est déjà reparti avec Ethan. Direction la deuxième énigme, je pense. Avec le deuxième origami. Je vais me foutre en l'air. Hop, c'était un prank. Oubliez pas, pouce bleu pour un nouveau prank. Ok. Très bien, le papillon cette fois-ci. Êtes-vous prêt à souffrir pour sauver votre fils? La vieille centrale électrique. Oh putain. Êtes-vous prêt à souffrir pour sauver votre fils? Waouh. C'est vraiment, on dirait, le... Comme ça. La vieille centrale électrique. On y va, très bien. J'ai déjà pris ma part. J'ai une côte cassée, les gars. Je vais pas tenir bien longtemps avec ces conneries, les mecs. Hein. Je vous le dis, hein. Je vais pas tenir bien longtemps avec ces conneries, hein. Allez, on est parti avec l'agent du FBI. Vous n'avez pas tiré. Pardon ? C'est Nathaniel. Le type, il aurait pu avoir un flingue et me descendre. Pourquoi vous n'avez pas tiré ? Je préfère avoir toutes les informations avant de prendre une décision. J'essaie de faire des choix rationnels à chaque fois que c'est possible. Vous aviez une fraction de seconde pour réagir. Il m'aurait buté avant que vous puissiez bouger. Désolé. Je croyais que vous étiez un dur. Un flic de la rue qui en a vu d'autres. Je ne pensais pas que vous auriez la trouille. Vous n'êtes qu'un putain d'enfoiré, Norman. Bien joué, Norman. Tu lui as mis sa part à celui-ci. C'est lui. Ok. On est parti, nouvelle interpellation. Oula, il m'a l'air peu commode. Miroslav Korda ? Ouais. Lieutenant Carter Blake, j'aimerais vous poser quelques questions. Ouais, c'était sûr. Très bien. Restez pas là, il va nous échapper. Hop. Esquive. Mais vous excusez pas. Oh. C'est quoi? C'est pas vrai. Y'a... Tout ce qui est détection de mouvement, c'est pas détecté par la manette. Une fois sur deux, c'est horrible. Putain, c'est tellement chaud les timings en plus. Allez, c'est pas un problème. Ok, cette fois-ci, c'est passé. C'est chiant de jouer au hasard. Ok. Jusqu'ici, je suis le boss. Hein. Oh, c'est bon. Oh, putain. Je prie pour à chaque fois que ça passe, parce que... compliqué, hein. Oh, putain, fuck. Pardon, je suis désolé. Ok. Non. Putain, c'est bon. Waouh. Non, mais c'est pas vrai, il est reparti, ce con. Oh non. Des poissons, mon seul point faible. Oh, mais l'américain. Genre, ça glisse déjà. Aucun souci. Eh, hey, bro, je me... Ça va, oh, toi, tu vas finir en KFC. Ok. Spoilers! Get down! Il ne peut plus m'échapper. Je vais le faire sortir de là, cet enfoiré. Ok. Merde, où est-ce qu'il est passé? Putain. Oh! Je bosse.
Ok. Allez, hein. Oh, y a trop de moves. C'est horrible. Entre la gauche, la droite, les boutons, la détection de mouvement. C'est vraiment le jeu Quantic Dream le plus chaud à ce niveau-là. Et je vous l'avais dit dès le premier épisode, comme quoi ça m'avait marqué dans mes souvenirs. Ok. Allez, 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 allez. Ah. Hop, je lui ai mis sa part. Hop, dans le gigot, mon pote. Ah! Voici, je crois qu'on tient le tueur aux origami. Mais qu'est-ce qu'il dit, celui-ci? Ça paraîtrait trop simple. Allez, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure. Bisous, tout le monde. Ciao, ciao.